Si les ponts de la Seine retrouvaient la mémoire, ils raconteraient une histoire oubliée sans laquelle Paris ne serait sans doute pas devenu Paris. L'épopée des trains de bois de Lyon et de la Cure qui ont permis à la capitale de se chauffer pendant plus de 3 siècles. Les agents compteurs, pour les marchands de bois, c'était très facile. Il suffisait de mesurer la pile et tous les 3 mètres, on avait un décastère. Le calcif partait sur les transimènes, un adulte et un adolescent. L'adolescent revenait à pied. Le flotteur restait sur le train avec l'autre flotteur des 2 trains qu'on avait jumelés et arrivait à Paris au niveau de Charenton.